Une véritable colline qui représente 19 années de déchets de type 3, dits inertes, ferraille, plastique, gravats, verre. C'est ce type de déchets qui a pris feu jeudi dernier. À l'origine, peut-être une fusée de détresse, mais plus probablement des batteries de matériel électronique comme celle-ci. On les retrouve fréquemment désormais dans les encombrants ou même les bacs gris. On constate depuis un an et demi des départs d'incendie causés par des batteries d'appareils électroniques type tablette ou ordinateur portable. C'est-à-dire que la batterie va se mettre à chauffer très fortement. Le plastique qui entoure cette batterie va prendre feu. Et si à côté il y a un autre plastique, ça se propage. Donc un petit feu peut après mettre un incendie important. Sur le plan de la sécurité, comment fonctionne un CET comme celui de Paioro? Voici un casier avec des déchets de type 2, putrécibles, ce que l'on nomme bac gris. Ils sont tassés en permanence pour réduire les poches d'air et éviter le contact entre l'oxygène et le gaz méthane notamment, qui se dégage en permanence. Il y a sur le site des caméras infrarouges qui permettent de détecter tout départ d'incendie. Si jamais il y avait un départ de feu, on verrait un point chaud, blanc ou rouge, sur la zone violette des déchets. C'est un renfort à la vigilance. On a notre vigilance humaine de tout le personnel en H24. Et là, c'est un soutien à la vigilance. Plus on prend un départ de feu tôt, et moins il a de chances de se propager. Ces pneus, qui représentent 2000 tonnes, sont entassés avant un traitement dans les prochaines années. Les fusées de détresse, le matériel électronique font l'objet, comme les piles ou les batteries de voitures, d'un traitement particulier. Le syndicat Fenouama organise toutes ces filières de traitement, mais rien ne peut se faire sans la collaboration des habitants. Et un incendie comme celui de jeudi dernier est la conséquence directe d'un geste négligent de la part de citoyens.